Recoletto, c'est un nom des courses, c'est comment, j'ai envie de dire. Double gagnant de pain, gagnant du Boulon de Longchamp, gagnant du Prix Hisparan, deuxième du Jacques Le Marois, troisième du Jockey Club. Donc c'est un cheval qui a commencé sa carrière à 3 ans, qui a gagné groupe à 3 ans, deuxième Jockey Club. L'entraîneur s'était peut-être un petit peu trompé sur sa distance au départ, et en le repassant sur 1800, 1600 mètres, le cheval a fait une carrière superbe. Recoletto, maintenant le favori de ce Prix Hisparan, qui vient attaquer très sèchement Almodovar, qui tente de lui répondre. Très fluor, est en troisième position devant Tarif. Recoletto, le favori maintenant, qui se détache avec Olivier Pellier. Recoletto, qui l'a remporté son premier groupe pendant ce Prix Hisparan. C'est le meilleur cheval d'âge sur le mile en France, en Europe, finalement, en 2018. Recoletto de mieux en mieux, oui, Winsheims qui va le contrer. Winsheims qui se relance maintenant avec Recoletto. Winsheims, photographie pour le succès. Donc il a commencé sa carrière au Canet l'année dernière, où il a sailli 85 juments. On est aussi très content de son taux de fertilité, puisqu'il a atteint les 90% de fertilité. Donc ça, c'est déjà, c'est bien, c'est un bon départ. Maintenant, on va attendre ses premiers produits. Hein, c'est super excitant pour un étalonnier, pour un propriétaire d'étalon, pour tous les gens qui ont mis leur jument à un cheval en première année de monte. Savoir à quoi ça va ressembler, c'est un très beau cheval. Comme tous les chevaux qui font une première année de monte, hein, qui sortaient de l'entraînement, il a pris de la masse, il a pris un peu d'épaisseur. Et puis ces chevaux-là, finalement, continuent à grandir encore un petit peu jusqu'à 5 ans. Hein. Très belle conformation, vraiment, il est profond, une très belle épaule, il se déplace bien. Il est correct dans ses aplombs et il est plutôt chic. Il est assez près du sang comme cheval. Il a ce truc qu'avait à Yestonor, sa mère est par Yestonor. Yestonor était très près du sang comme ça et donnait des modèles très puissants, des bons chevaux qui allaient aux courses. Donc ça, nous au Canet, ça nous inspire confiance. On a eu beaucoup de succès avec Yestonor, beaucoup de succès avec des juments par Yestonor. Ce sang de Kenmare véhiculé à travers Yestonor, pour notre évalche français, c'est superbe. Et puis Weeper, c'est Mister Prospector, c'est ce sang-là. Donc on a quand même un croisement super intéressant pour saillir toutes les juments qu'on a à foison, tous dans nos cours d'élevage, hein, avec ce sang de Sadlerswell, de Daniel et compagnie. Enfin, on ne va pas apprendre aux éleveurs comment ça marche. Ce qu'on peut simplement leur dire, c'est vraiment leur inciter à venir revoir le cheval, parce que physiquement, il est vraiment sensationnel. Le propriétaire a voulu faire un effort cette année. Il a baissé le prix de saillie, il a passé de 8000 à 6500 euros. Je pense que c'est un très bel effort et ça vaut vraiment le coup de venir revoir le cheval.